On le disait politiquement mort, le revoici à présent deuxième dans les sondages à quelques jours des législatives. Silvio Berlusconi, le revenant, l'éternel, l'un des hommes les plus riches d'Italie, de retour à 76 ans pour sa sixième campagne électorale. Avant de sortir de chez moi, j'ai regardé dans un miroir et j'ai vu une personne différente, par rapport à l'image que j'ai de moi-même. Eh bien, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus de beaux miroirs comme autrefois. Une image qui suscite adulation inconditionnelle ou haine viscérale chez les Italiens. Lorsqu'il quitte le pouvoir il y a un peu plus d'un an, il laisse un pays au bord de la faillite et son avenir est devant les tribunaux. Prostitution de mineurs comme en 2010 avec la jeune marocaine Ruby qui participait à ses soirées baptisées Bunga Bunga. En octobre dernier, il est condamné dans le cadre d'un de ses multiples procès pour fraude. Le juge prononce, à la surprise générale, une condamnation à 4 ans de prison pour fraude. Le Cavaliere s'est empressé de faire appel. Malgré ses déboires, Silvio Berlusconi garde son aura, appuyé sur un empire médiatique et le Milan AC, l'un des meilleurs clubs de football au monde. Et ses nombreuses gaffes révoltent certains, mais en font rire d'autres. Balotelli, Pato, vous feriez l'échange ? Moi, je n'aime pas les échanges ou les objets. Ah non, j'ai eu envie de faire une blague, mais je peux pas vous la dire. Son renouveau politique après 20 ans de carrière dans les palais publics inquiète, y compris au sein de ses propres troupes. Beaucoup redoutent un brutal retour en arrière et une défiance généralisée des marchés financiers vis-à-vis de l'Italie s'il devait un jour revenir aux affaires.